Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur pour une réception de deux colis commandés sur AliExpress. Alors celui-là, je pense savoir ce que c'est, et celui-là, je sais pas. Donc, on va faire un petit déballage rapide. J'attends encore des composants et un peu de matériel électronique. Hein. Après, ça redeviendra des colis, je veux dire, plus rupture de la normalité. Alors, bon, là, en tout cas, ça va être fragile parce que vu le papier bulle. Ah, ouais, bon, c'est les composants électroniques. Comme je vous l'ai dit lors de dernière vidéo. J'essaye d'avoir dans mes composants plusieurs modèles d'interrupteurs ou de détecteurs ou de contacteurs. La dernière fois, je vous en ai montré au mercure. Voilà, sur une question de fiabilité et de taille et tout ça. Alors ça, c'est un petit composant électronique, enfin, il y en a deux, hein. Là j'en ai commandé deux. Et voilà, alors c'est pas grand chose, c'est un petit circuit électronique. Et vu de derrière. Et ça, c'est un petit circuit, c'est un capteur de choc. C'est-à-dire que vous branchez votre circuit, votre alimentation, et au moindre, je sais pas si on entendra, au moindre choc, ça alimente le circuit, ça ferme le circuit. Donc ici, il y a le système de, je pense, un système de bic à l'intérieur. Et ici, on peut régler la, sensibilité. Il y a un petit potentiomètre. Voilà, capteur de choc. Capteur de choc que j'ai payé, tac. Capteur de choc par vibration, j'ai payé j'ai payé 80 centimes pièce, j'en ai commandé deux, ça fait 1,60, montant total 2 euros, il y a dû y avoir des frais de port. Commandé le 2 juillet, 15 jours pour arriver. Voilà, deux petits contacteurs de choc. Alors ça peut être mis sur un portail, sur un grillage, ça peut être mis à plein d'endroits où il peut y avoir des chocs et relié à un système électrique, un relais, tout ça, un système électrique relativement simple, et ben ça nous avertit d'un choc. Voilà. Ah, il y a un gros cadeau quand même. Et je regarde en même temps si la GoPro elle filme, parce que je vais pas à chaque fois. Voilà. Alors, voilà les amis. Voilà. Alors ça, c'est un achat que j'attendais parce que j'en ai vu que du bien. Ça peut être très pratique en électricité ou en électronique, dans un mode, je vais dire, un peu rupture de la normalité. Je suis en train de regarder en même temps où c'est que j'ai fait la commande. Voilà. Alors c'est un fer à souder qui se branche, pas sur le 220, mais qui se branche sur les ports USB. Voilà. Alors j'ai vu ça récemment. Il me semble que Philippe Dermaliac de la chaîne Sirob l'a présenté. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai dans la description, dans ma description. Hein. Il a fait, il me semble, une vidéo de présentation, d'essai. Donc moi, à l'occasion, je ferai une vidéo d'essai. C'est un fer à souder qui chauffe, apparemment, qui chauffe en moins de 15 secondes. Tout marqué en anglais. Hasard. Tout marqué en anglais.
Alors, il est livré avec son cordon d'alimentation, hein, côté USB en 5 volts. Et la prise qui se met, je pense, au-dessus du fer. Il a, dans la vidéo de Philippe Dermerlien de la chaîne Sirob, il a dit qu'il y avait ce système de protection de panne. Ah, j'ai peut-être défait un truc qu'il ne fallait pas. Voilà, il a un système de protection de panne et qui vous évite de vous cramer. C'est très léger, la panne est très fine. Il me semble qu'il doit chauffer environ à 400 degrés. Et il chauffe relativement vite, hein. En moins de, je crois, 15 secondes ou 20 secondes, il est chaud. Ce qui est bien en sécurité sur ce fer, ici, on a. Alors, quand on le branche, il chauffe. Et si on ne touche pas au petit poussoir là, au bout d'une dizaine de secondes, il se coupe automatiquement. Donc, ce qui est bien, c'est que ça chauffe pas en permanence. Hein. Ça, dès que vous commencez à souder, vous appuyez sur le. C'est un genre de petit poussoir sensor. Hein. Vous mettez le doigt dessus. Et lui, il dit, il faut que je chauffe. Voilà, c'est très léger. Hein. Ce qui est bien, c'est que la panne et la résistance. J'ai le bordel, je vais le péter. Je vais le péter avant de commencer. Je regarderai la notice parce que j'ai pas envie de le péter. Je ferai un essai à l'occasion. Bon, là, il est livré avec un petit support de fer. Et il est livré avec, je sais pas, 10 cm d'étain. Voilà. Un peu d'étain. Apparemment, il est très efficace ce petit fer. Hein. Ça évite d'avoir du 220. Limite, vous branchez ça sur le port USB de votre voiture. Ou je pense même sur un power bank, hein, ça doit pouvoir se brancher et vous pouvez faire une petite soudure, je vais dire n'importe où, hein, dès qu'il y a port USB, ça évite de se balader avec du 220 volts. Enfin, moi j'en ai vu que du bien, hein, sur la vidéo de Philippe Dermerliac. J'en ai vu que du bien. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai le lien dans ma description. Voilà. Fer qui est pas si cher que ça. Hein. Le fer, je l'ai payé 3,80 €. Alors, 3,80 € pour un petit fer d'appoint. Franchement, faut pas hésiter. Très léger, très compact. Et j'ai commandé le 2 juillet. Ça a mis 15 jours pour arriver. Et franchement, c'est. Voilà, c'est très bien. C'est très très bien. J'essaierai de faire une vidéo aussi de mon côté avec celui-là. Donc, parenthèse sur la vidéo, je viens de l'essayer. Et franchement, en 15-20 secondes, il était chaud. Super nickel. Et quand il a fini de chauffer, arrivé à un certain moment, ben, la petite diode qui est à l'intérieur se coupe. Il suffit de retoucher le petit sensor là, et c'est reparti pour un cycle de chauffe. Franchement, chauffe super bien. Là, je vais le brancher à ma petite clé USB qui va me dire combien il consomme en ampères. Et à l'occasion, je ferai pourquoi pas le test sur un power bank. Donc là, je branche. Alors, comme on le voit ici, il chauffe. Voilà, petite diode rouge. Et en consommation. Il prend 1,52 ampères. Je sais pas si on verra bien avec la GoPro. Voilà. 4 volts 86. 1,5 ampères. Et là, il redescend à 0 ampères, hein, 5 volts 24, parce que il a fini de chauffer. Là, je rappuie sur le bouton et vous voyez. Il est reparti pour la chauffe. Donc, il prend 1 ampère et demi.
Donc sur un power bank ça fonctionnerait, mais bon, il faut avoir un super power bank, hein. Là il chauffe pas mal. Donc c'était la parenthèse de la vidéo. Que je ferai un petit montage et voilà pour faire une vidéo complète. Allez, je vous laisse et à plus. Donc unboxing terminé. Là, je pense que je vais aller faire une petite tête dans la piscine parce que je suis comme vous, j'ai eu chaud toute la journée. Et voilà, petite parenthèse, ce week-end c'était le 14 juillet et j'ai eu deux grands moments le 14 juillet, deux moments importants dans ma vie. C'est la fête nationale, donc c'est à mes yeux aussi très important. Et deux, j'ai eu l'occasion de revoir mon chef. Qui venait de Strasbourg parce que j'étais basé aussi à Strasbourg et j'ai revu mon chef de Strasbourg plus de 12 ans après mon départ de là-bas et fier de l'avoir revu parce que c'est comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, c'est la personne qui a taillé la pierre, qui a forgé le couteau et qui m'a inculqué toutes ces valeurs, hein, et qui des fois les gens ne comprennent pas, mais ça c'est pas grave, hein, mais il y a des valeurs à respecter dans la vie comme l'honnêteté, la loyauté, la cohésion et toutes ces valeurs qui peuvent ou qui pourront servir en cas de rupture de la normalité. Enfin, pour ma part, elles ne serviront pas à tout le monde, ça c'est sûr, hein, il y en a, je pense, qui n'ont pas de loyauté ou de cohésion ou de quoi que ce soit. Donc, ces gens-là, j'irai pas trop les aider. Hein, voilà. Mais très fier. Très fier, il a pu voir ma maison. C'était le thème de discussion avec lui il y a 19 ans, si vous voulez. Alors, 19 ans après qu'il vienne voir ma maison, c'était un très grand moment où j'étais très fier. Voilà, c'est une petite parenthèse et pour moi c'était très important ce chef et tous les militaires ou anciens militaires qui regardent ma chaîne et qui ont des chefs sérieux, surtout de ma génération de soldats, pourront comprendre. Après s'il y en a qui ne comprennent pas, c'est pas mon problème. Donc voilà, comme je dirai en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à votre famille, à vos proches, à vos enfants. Faites attention aussi aux parents, grands-parents âgés, hein, les chaleurs en ce moment ça ne pardonne pas. Faites attention aussi à vos animaux domestiques, hein, c'est pareil, sous la chaleur ils ramassent, donc il faut faire attention à eux. Et surtout, faites attention à vous, restez attentifs et vigilants, hein, c'est pas fini. Je pense que ça va retomber une connerie d'ici peu, ou au mois de septembre aussi. Donc voilà. Je remercie tous les nouveaux abonnés, tous les gens qui regardent mes vidéos, toutes les personnes. Et je remercie tous les gens qui me font des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Voilà, faites attention à vous, ciao et à plus sur ma chaîne.